Samanel, nous avons vécu une expérience de déno suivant. Dans la vie, on est des gens très privilégiés. On manque de rien, puis dernièrement, on a eu la chance d'avoir plein de belles opportunités. Des gens plus riches que nous ont permis, à travers diverses fondations, que mes enfants reçoivent des services de santé qui ont complètement changé leur vie. Donc, on a décidé de donner à notre tour en fonction de nos moyens. Fait qu'on est allé magasiner, on a acheté des petits trucs, puis on a préparé des petits sacs surprises. Simple, c'est juste des bouteilles d'eau, des chocolats, des fromages. Puis là, après, on est descendu à Montréal, puis on est allé voir les sans-abri. On leur a donné d'abord des sourires, de l'amour, puis on leur a donné nos petits cadeaux, puis en leur souhaitant joyeuse fête, puis ça, ce moment-là, c'était tellement précieux. C'était beau, puis c'était émouvant, c'était magique. C'est une journée qu'on va se rappeler pour le reste de notre vie, là, parce que c'est rare que. Quand t'offres quelque chose de petit comme ça à quelqu'un qui ressent autant de joie, puis c'était pur là, comme moment, puis comme émotion. J'ai offert à amener un cadeau à quelqu'un, puis le monsieur, il avait quasiment les larmes aux yeux, puis il m'a répondu « c'est mon premier cadeau à vie ». Fait que moi, je veux revivre ça, c'est sûr. Nous voulons donc répéter l'expérience. Comme Marie-Lou et moi, nous sommes conférencières pour la Voix du succès, nous vous demandons si vous voulez vous joindre à nous pour cette magnifique activité. Vous pouvez contribuer en offrant soit votre temps, soit une contribution financière par un don, ou encore par en offrant du matériel ou de la nourriture qui pourrait bien sûr leur venir en aide. Nous souhaitons la bienvenue aux commanditaires puisque nous nous jumelons avec la Voix du succès pour publiciser ces événements. Notre intention, c'est surtout de contribuer et d'offrir de la lumière et de l'amour. On vous souhaite de goûter au plaisir de donner avec nous en 2014. Alors, venez nous voir le 28 janvier à la Voix du succès. Nous serons conférencières avec Alexandra Abrego au Palace des congrès à Laval. Merci!